Dans l'espace de travail, le dessin et annotation est un simple charge un fichier de personnalisation avec l'extension Quix modifier l'apparence de l'icône pour changer son équipe dans les boutons de l'éditeur. Il est également possible d'adapter l'espace de travail de commutation classique AutoCAD, adaptation plus souple. Faites un clic droit sur un bouton pour faire le menu déroulant, allez à la liste des équipes d'adaptation. Maintenant, activez l'équipe à la possibilité de changer réellement les panneaux de contenu. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris pour faire glisser une commande vers un nouvel emplacement. D'une manière similaire à supprimer des commandes indésirables du panneau pour confirmer le bouton supprimer. Ensuite, appliquez et OK.